régulièrement comme ça? Bah, on essaie d'affûter le premier jour, après une journée de travail. Ah ouais. Un petit coup, et le deuxième jour, il faut le changer. Vous affûtez à la disqueuse? Bah, un petit coup là. Oui. Mais souvent, tous les deux jours, il faut tout changer. Vous devez enlever. Le rotor ne tourne pas terriblement vite. Qu'est-ce qu'il doit, à combien il doit tourner comme ça? Le tracteur, la prise de force tourne à 1000 tours. Oui. Et à mon avis, le broyeur. Dans les environs aussi, probablement. Parce qu'on n'entend pas siffler, hein? Non. On n'entend rien. Non, ça ne tourne pas si vite. On n'entend rien du tout. Multiplié. Ouais, puis c'est par là le poids et la masse qui fait. Qui fait... C'est ça. Ouais. Hein. Il faut pas que tu tournes trop vite, sinon ça ferait de la poussière. C'est ça. Et il faudrait faire avancer votre entraîneur plus vite et il faudrait plus de puissance. Ouais, c'est ça. C'est calculé. Ouais. Je vais être sur le site alors. Oh, vous allez y être, pas oui, ça. Avec des commentaires en plus. Ouais. Oh, ouais. Pour montrer que les photos, que quand ça rentre dans le noyeur, on va mettre les photos, il y a une branche qui va au-dessus. Et là, il y a fait un film, hein.